Le 22 mars, les cinéphiles trouveront Jean Dujardin dans Film sur les chemins noirs de Denis Imbert, Crespo Mara, en 7 à 8. Le dimanche 12 mars 2023, s'est engagé dans magazine Le Figaro. Le côté acteur. La transition vers les années 50 était plus facile, cet anniversaire était heureux parce qu'il y a quelque chose de flamboyant assis et produit. Aux 51 ans, l'âge de 51 ans, je pense que ce n'est pas vraiment un seul, dit-il. Humour. Jean Dujardin et Sylvain Tesson partagent de nombreux points communs. Les deux hommes sont étroitement liés, ou des effets. Nous aimons rencontrer. Nous ne boudons pas nos émotions. Les accueillons à vivre. Il confie avant de continuer, nous avons parlé beaucoup de pureté ensemble. Il le cherche dans sa littérature. Moi dans le jeu. Nous avons passé des moments parler les feux. La première fois, il y avait un petit trouble. Même un grand. Il a dit, je suis l'âme. Vous le corps. C'est une grande collaboration.